Un beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 20, Pahalia. Pahalia est le régent des énergies martiennes de Binael Saturne, proposé au rétablissement de la loi cosmique dans le monde. Le combat contre les ennemis de l'ordre universel sera le sujet où cet ange gardien apportera une aide maximale à l'individu. À n'importe quel niveau et en toutes circonstances, l'individu pourra réussir sa lutte pour la vérité. La parole ne suffira pas. Il faudra y ajouter le geste, le comportement. Il faut savoir que les énergies martiennes sont toujours porteuses de travail d'effort. Et, en effet, le rétablissement de l'ordre violé est un travail. Ce combat contre les ennemis de l'ordre cosmique, la personne devra le mener à bien, dans son propre intérieur. S'il gagne sa guerre intérieure, il pourra maîtriser ses pulsions, ses passions et devenir l'homme exigeant envers lui-même, le héros qui lutte pour agir en accord avec ses principes et donc la victoire le rend maître de son destin. Tout est possible avec l'aide de cet ange gardien. Prière à l'ange Pahalia. Pahalia, illumine, ange Pahalia, ma foi, pour que je puisse contempler depuis ta porte la vérité des mondes où la raison ne peut pas encore pénétrer. Fais, ange Pahalia, que ma parole donne aux autres le goût de tes sublimes évidences et que je devienne pour ceux qui se sont perdus en chemin un panneau de bonne signalisation. Conduis, ange Pahalia, mes énergies par les canaux qui arrosent le cerveau pour que je puisse créer, procréer avec mes organes supérieurs au lieu de gaspiller ma semence dans des jeux érotiques vains. Fais-moi rencontrer des gens qui ont besoin de ta splendeur car je veux leur transmettre le germe d'éternité. Merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.